Qu'a-t-on ici ? Thank you.
de me traiter comme ça. J'ai servi dans l'armée, moi. Oui, et c'est à l'armée qu'on t'a appris à faire les poches des gens. Lorsque je suis revenu au pays, toute ma famille était morte. Je n'avais rien pour vivre. Bien sûr. Raconte ton histoire au shérif. Il a un faible pour les héros de guerre. Qu'est-ce que c'était ? D'une manière ou d'une autre, je te trouverai. La vie est pas terrible. Et en plus, quand tu meurs, elle continue comme si de rien n'était. Jamais je sortirai de ce trou pur. N'importe. Ma vieille carcasse n'a plus grand chose à attendre de la vie. Je devrais pas suivre l'exemple du créateur. Et je loue le créateur oui. Sa sagesse, car il est parti. Le divin pouvoir de tuer. Toi là, je les ai entendus parler de toi. Oui, de toi. Ils m'ont dit, il en est un qui répand le sang sans effort, par l'abstention plutôt que par l'action. Et j'ai dit, oui, je comprends. Mais toi, non. Ta relation avec les ombres ne connaîtra jamais de trahison. Et de nouveau, il me dit, taisez-vous ! Et commence de pleurer. C'est là que j'ai alors allégé ses souffrances en lui répliquant « Pauvre petit homme pathétique, inutile de te répandre, le prochain son que tu entendras sera celui de ton crâne défoncé en heurtant le sol. » Alors il crie « Ah !» et puis « Oh !» Silence béni. Alors il me dit « Taisez-vous, sadique ! Et moi ? Vous ne croyez pas que la vérité ne libère pas toujours ? Qu'elle rend parfois esclave de la souffrance et de la culpabilité quand elle oblige à dire ce qu'on aurait voulu d'elle ? Et voilà, voilà, voilà. Non. Alors il me dit, taisez-vous, sadique ! Il n'y a plus de justice dans cette ville. Plus de justice. C'est la loi du plus fort. Tous coupables. Qu'est-ce qu'on a fait de notre chère cité ? J'aime l'obscurité. L'obscurité pour mes sombres affaires.